Vous aimez Beaumarchais? Oui, c'est un homme loyal. C'est aussi un intrigant. Pour un auteur dramatique, c'est plutôt de qualité. Cet homme est un faussaire et un imposteur dont nous devons purger la société. Vive Beaumarchais! D'abord qu'il cesse de s'en prendre au Parlement. D'homme et bas, homme libre. Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. Je dépose une plainte en diffamation. Moi, je dépose votre bilan. Beaumarchais ne sera jamais tout à fait Molière, parce que sa vie l'amuse beaucoup plus que son œuvre. Sans doute ne suis-je pas un auteur véritable. En attendant, je vous suivrai partout. Commençons par ma chambre. Tu sais ce que tu me demandes? De faire ce que tu fais le mieux. Tu es ignoble. Non, non, non. Je veux bien jouer la comédie. Préparez-vous à mourir. Le lieu me paraît mal choisi, monsieur le duc. On peut mourir partout et vous allez mourir. Monsieur de Beaumarchais, est-ce une habitude chez vous de quitter les femmes après avoir obtenu d'elles ce que vous désiriez? Quand je paye, oui. Pourquoi m'arrêtez-vous, vous? Intelligence avec l'ennemi. Veuillez, madame, relire cette réplique. Le droit au bonheur, sire. Vous êtes un homme de cœur, monsieur de Beaumarchais. C'est de la mort que je vends. Il ne me reste plus qu'une arme, celle de mes ennemis. Agent secret, vous ne dites rien? Les mots me manquent, sire. C'est bien la première fois.